Sur les murs de cette chocolaterie près de Sao Paulo, un Indien d'Amazonie dans une pirogue. Il semble flotter sur une délicieuse rivière de chocolat. Cette fresque, c'est l'œuvre de l'artiste Eduardo Cobre. E aí cheguei nesse resultado que a imagem foi completamente pensada também no conceito de que as pessoas possam passar aqui pela rodovia, mesmo que a 100 km por hora, e consigam identificar qual é a mensagem do painel, né? Eduardo Cobre détient déjà le record de la plus grande peinture murale à Rio de Janeiro. Cette fois-ci, son graffiti devrait dépasser les 6000 mètres carrés, mais elle n'est pas encore finie. A gente está muito feliz porque fizemos algo para presentear as pessoas e a repercussão tem sido maravilhosa. L'autoroute de Castelo Branco est le point d'entrée principal de Sao Paulo. D'innombrables véhicules passent ici chaque jour devant cette chocolaterie. Une aubaine pour l'artiste, dont le souhait est de rendre hommage aux travailleurs du chocolat. Le Brésil est le cinquième producteur de cacao au monde.